Salut, nouveau vlog, nous sommes dimanche, c'est la fête des mères, comme je vous disais, je vais aller chercher des petits gâteaux pour cet après-midi, j'en profite pour prendre des viennoiseries. Migraine encore, là je n'en peux plus, j'ai l'impression que j'ai une migraine il y a 4 jours. Comme je vous disais, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus rapproché. Je suis à 6 migraines par mois, sachant qu'elles durent 2 jours, donc ça fait 12 jours, 12 jours de migraine. Moi, c'est pas la migraine genre t'as mal d'un côté, non, pas du tout, moi c'est la migraine, c'est derrière toute la nuque. C'est un truc latent, c'est tout là-haut aussi, les tempes. Mais c'est pas que ça fasse pulsatif, poum boum, c'est. T'as envie de vomir tellement. Cette migraine directe, t'as la nausée quoi. Je vais quand même essayer ce que je fais habituellement, paracétamol, café. Franchement, une fois sur deux, ça fonctionne. Bon, peut-être pas toute la journée, mais. Ah, pénible. Et encore, c'est le genre de truc, hier j'étais avec ma fille toute la journée, déjà que je la vois pas beaucoup. Quand t'es pas bien, tu te dis merde, putain, à chaque fois, j'ai pas envie que quand elle me voit, elle fait oh, je suis pas bien, j'ai la migraine parce que. Voilà, donc hier ça allait, tant mieux. J'ai ressorti mes. Bon, c'est comme des chaussons. Hein. Je suis tellement bien là-dedans parce qu'il fait pas hyper chaud non plus, mais ça va, moi c'est le genre de temps, j'aime bien. Je voulais y aller suffisamment tôt parce que j'imagine que le jour de la fête des mères, tout le monde se précipite. Oula! Merde, j'ai oublié mon masque. Je suis en train de me dire, faut que je retourne à la maison. Je vois tous les gens attendent devant. Ouais, c'est tombé, je cherchais le masque. Je suis rentrée, bébé. J'ai pas été dans la boulangerie. Il y avait un monde, mais un monde jusqu'à derrière. J'aurais fait une heure de queue, du coup j'ai été dessus, dans une autre. Et je comprends, il y avait personne. C'est laquelle? Là-bas, tu sais. Ça, c'est les quatre gâteaux. Maman, tarte aux framboises, ça, je sais plus trop. Trois chocolats, ça, c'est un peu de la nougatine comme un macaron géant. Ça a l'air quand même très très bon. C'est vrai qu'ils sont énormes. Hein. Mais bon, ils me disent que ils sont faits main. Ce serait pas un chat qui essaierait de voler des choses? Ouais. Alors, ce matin, je me suis avancée forcément sur le vlog, vu que cet après-midi, on n'est pas là chez ma maman. Concernant ma migraine, la lumière n'est pas terrible. Je suis contente parce que j'ai fait la fameuse combinaison paracétamol café. Parfois ça marche pas. Là, ça a l'air de marcher. Je m'avance pas trop, mais ça fait bien 3 heures que ça passe. Donc, tant mieux, tant mieux. Et je vais peut-être aller manger parce que franchement, il faut être au moins 13 heures. Je vais me faire le reste de riz. Hier, j'en étais fait des petits quenelles gratinés avec ce riz. Et toi? Les capotes? Ça, c'est ce que j'ai reçu. C'était hier ou avant-hier, je vous en avais pas parlé. Et j'avais déjà bossé avec eux. New Engeance Paris. Regardez-moi ça. La taille du masque visage. Celui-ci va faire quoi? Révélateur de jeunesse. On adore. Avec patch pour les yeux, ça aussi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Revitalisant. Et nous avons celui-ci plus petit qui va venir à anti-fatigue. Ah bah oui, ça c'est la base. Et bah voilà, nous espérons que cela te plaira. Donc ce que je vais faire, je le testerai avec vous, comme ça je verrai. Il me semble que, je vous dis, j'avais déjà testé et c'était même très très bien. Bon, c'est l'heure. Je vais, comment dire... Oh, ça suffit mon chéri. Ça c'est le cadeau pour ma maman. Allez, c'est parti. Par contre, il caille, j'ai pas envie de mettre de manteau. C'est déprimant les manteaux. Non, genre c'est comme ça. J'ai un pull et pull au gros gilet. Mais c'était le lieu de tournage de Dr. House. Tu veux pas te cacher derrière la haie là-bas? Réveille-moi. Avant ton bobo. Réveille-moi. Réveille-moi. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop joli. Mais qui lui a envoyé ça? Ce n'est pas moi. Maman, qui est-ce qui t'a envoyé ce beau cœur? C'est beau. C'est au début du confinement, c'est Frédéric. Les fleurs sont magnifiques. Non, mais sans rire. Ça fait joli. Hein. Attends, on dirait des. J'allais dire, on dirait des fosses. Ah, tu m'as eu là. Je suis dégoûtée. Bah, en même temps, maman, on a été un peu confinés 2 mois et quelques. Oui, tout à fait. Oui, mais tu sais, Marie m'avait offert ça, la fête des mères, avec plein de cadeaux dedans. Je connaissais pas, moi. C'est sympa le concept. Hein. Ah, j'adore. Bonne fête, maman. Une boîte. Vous allez pouvoir ranger les trucs dedans. Hein. Oh là 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 là. Il y a une trousse. Je l'ai. Oh, oh. Puis je vais pouvoir l'emmener en plus. Yes. Oh là là. Oh la vache. C'est quoi ça comme matière? C'est super. Hein. Oh là là. Pour moi. Bah, vous avez pas osé vous en servir. Vous allez avoir peur de l'abîmer. T'en sors bien. Oui. T'imagines. Créateur de peau parfaite. Et ben voilà, on y est. Oui, bah maman, non. Elle va essayer. Elle va me mettre la moitié du tube pour essayer sur sa main. Ils sont beaux, hein. Ils rendent bien, ceux-là. Mmh. Non, je suis contente pour eux.
Ah, c'est beau comme tout. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est cool. On parle juste de méthodes qu'on démontrait pouvoir faire un peu mieux que le hasard. Oh, mais non. Ça va quand même nous donner la direction dans laquelle il faut aller. Regardez, je crois qu'on lui a manqué. La bonne méthode pour pouvoir espérer détecter les mensonges. Et ben... Qu'est-ce que t'as vu? Un oiseau qui est dans ta courette, mon chéri? Qu'est-ce que c'est? 7h30. Je rends le contre-coup de la migraine de ce matin. Enfin, j'ai le contre-coup depuis toute la journée, en fait. Je suis, mais... lasse, vous savez, faible, fatiguée. C'était très, très sympa. Ma maman était contente. Et puis, c'est vrai que, bah, du coup, vu qu'on est vite, depuis 2 mois, on ne s'était pas vus. Même si on a vraiment fait gaffe, hein, enfin, je pense que c'est pour beaucoup pareil, on évite de s'approcher trop. On fait attention quand on serre les choses. On se désinfecte si jamais... on touche au portable de l'autre ou quoi, ce qui a été le cas. Je suppose que là, bébé, ça, je lui ai donné à manger. Il a fait le câlin tout à l'heure dans la pièce que vous avez vue avec, avec papa. J'aime trop, il est trop mignon. Mais là, il râle. Mais tu es gros, tu as trop grossi, Jackie. C'est très important de faire attention avec l'alimentation. Il faut... Non. Le docteur, il a dit, attention, puisque t'es un chat d'intérieur, tu ne sors pas, tu ne fais pas beaucoup de sport. Tu t'es un peu relâché avec le sport, je trouve, Jackie. Si. Donc, quand tu reprendras le sport correctement, j'envisagerai éventuellement de te donner un peu plus de doses de croquettes. Là, c'est de la gourmandise. Mais maman va craquer. Je vais lui donner 2-3 petites croquettes parce que sinon, il va être... il va être stressé. Et ce soir, j'ai cru comprendre Eric, tout à l'heure, qui a parlé de McDo. Ça va pas du tout. Comment voulez-vous? Surtout que... Ah oui, bah oui. Nous ne sommes pas allés marcher hier, nous ne sommes pas allés marcher aujourd'hui. Je ne veux pas retourner dans une spirale comme ça, il faut continuer. Non, mais je pense qu'on... Ah oui, il reprend demain, Eric. C'est la première fois, c'est sa première fois face aux élèves, en fait. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont être mises en place. Tu ne peux pas approcher les élèves. Le prof doit rester au tableau. Si jamais un élève dit « oui, j'ai besoin, vous pouvez regarder », ils n'ont pas le droit de s'approcher. Pas de contact, genre transmission de feuille à feuille, enfin plein de trucs comme ça. Il doit les lavages des mains. Eric, là, on lui a donné, donc le lycée, quand il est allé à la réunion, j'arrive bébé, lui a donné un masque, un pot, je trouve ça très bien, de désinfectant, enfin voilà, du gel. Et c'est donc demain, mais lui, il commence demain après-midi. Donc demain matin, on a quand même notre petit déj ensemble. Bon, j'arrive, je te donne bébé. Et je vais voir avec lui ce qu'on mange. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Non, dis-moi, toi. Ouais, comme si t'avais plein de trucs dans le frigo. J'ai des choses. Ouais. Tu veux manger quoi? Voilà, vous l'aurez compris. Bon, bah, c'est McDo, par contre, vous avez vu. Tout derrière, mais bon. On en a envie, donc on va faire la queue. Je vais faire une sieste, on se voit. Je vous reprends plus tard. On se retrouve le lendemain dans mon petit espace tournage parce qu'en fait, vous voyez, je voulais vous en parler, mon canapé, idéalement, j'aurais voulu une housse de canapé comme ça se fait, vous savez, extensible. J'en avais reçu d'ailleurs des bleus, roses, je vous montre un petit peu, hop, je me décale, regardez, dans ce style-là, 13 années 60, rose hyper clair. Je vais voir parce que j'ose pas, il y a certains sites pour commander, bref, tant que c'est pas fait, je commande pas. Par contre, en attendant, je vais essayer donc avec vous de mettre un plaid pour voir si ça rend bien. Ah, faut voir. Le blanc et le beige. Par contre, ça n'ira plus, je suppose. Il est vraiment beau celui-là. Oh là là. Ça donne ça, alors ça adoucit, je suis pas complètement convaincue, je vais essayer de mettre des coussins pour essayer. C'est pas mal, hein. C'est sûr que le bleu c'était peut-être un peu trop, et je suis persuadée que si je trouve la housse que je vous ai montrée, ça va rendre trop bien. Voilà, pourquoi pas, faudrait que je fasse un essai vidéo pour voir si le sujet, donc quand je me mettrai devant, ça rend bien. J'aimerais trop, vous savez quoi? Faire parfois des petites interviews, des invitations, voilà, qu'on soit à deux sur ce canapé. Sinon, je vais terminer maintenant, tout simplement pour m'avancer dans mon boulot, si je veux que cette vidéo puisse sortir ce soir, et enchaîner sur eh bien, un autre vlog. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ah bah attendez, la vidéo avec ma fille relooking,
c'est demain, du coup. Voilà. Salut.